Salut, salut les amis, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Ici le leader Nia du Sénégal. Bon, aujourd'hui, je viens pour une petite vidéo concernant Interconnect et ce qui nous attend. Donc, avant de commencer, j'aimerais vous inviter à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification et surtout à aimer la vidéo. Voilà, donc on peut commencer. Donc, comme on vient de le voir ici, c'est le chronomètre. Hein. Voilà, il reste 14h04. Voilà, pour débloquer, pour dire, le listage du SEC sur des plateformes comme PancakeSwap. Voilà, donc voilà. Nous y sommes, hein. Nous y sommes. Voilà, c'est le moment tant attendu. C'est ce que nous avons attendu pendant des mois. Grâce à Dieu, aujourd'hui, nous y sommes. Voilà, il nous reste que 14 heures. C'est-à-dire, actuellement, il est midi moins quelques minutes là. Donc, du coup, en fonction du chronomètre, l'adresse sera disponible à minuit. À minuit, ouais. Aujourd'hui à minuit. Donc, on va pas dormir. Ça, c'est sûr. On va pas dormir. On va tous veiller aujourd'hui pour récupérer cette adresse. Et l'adresse, je pense que ils vont l'afficher ici hein, sur le back office d'abord. Normalement, lorsque ça sera tout le compteur sera remis à zéro, on pourra obtenir l'adresse contrat qui nous permettra de l'insérer dans nos portefeuilles et aussi voilà, d'autres vont acheter à partir des plateformes comme PancakeSwap, ainsi de suite. Maintenant, d'autres, nous qui avons déjà, comment dirais-je, des EFI que nous pouvons récupérer. Voilà, comme nous qui avons déjà des EFI sur la plateforme, des SEC que nous avons acheté dès le début jusqu'à présent. Voilà. Avec le système qu'ils ont mis en place, le fait d'avoir les 10% par mois par rapport à l'investissement qu'on a fait. Donc, ce qui va nous permettre aussi à certains leaders, voilà, à beaucoup de leaders, hein, ceux qui ont surtout développé l'activité, ça va les permettre de pouvoir faire des retraits. Voilà, concernant ces retraits, il s'agit des retraits, des bonus au fait. Voilà, des bonus qu'on a l'habitude de récupérer en Ethereum. Voilà, ces bonus, on pourra les récupérer au même prix du marché. Voilà, avec un BSC, parce que l'adresse sera listée sur BSC, sur Binance Smart Chain, sur BSC. Donc c'est une adresse BP20, donc il faut s'attendre à ça. Et j'espère que beaucoup de personnes savent maintenant comment insérer un token dans un portefeuille avec l'adresse, le nom, le symbole et le décimal. On a eu à le faire dans le passé avec le EFI. Et là, je pense que tous ceux qui sont dans cette opportunité Interconnect actuellement savent comment ajouter un token, voilà, de ce genre. Donc, il explique beaucoup. Il explique 14 heures, moi, depuis hier. Quand je suis rentré dans mon compte, j'ai vu que beaucoup de personnes ont activé des comptes. Voilà, vous voyez ici, il y a 71 ans. Excusez-moi, il y a 91 personnes qui ont activé. Alors que il y a une semaine de cela, il n'y avait que 60 et quelques. Voilà, donc il y a plus de 30 et quelques personnes qui se sont rejoints à nous, qui ont compris et qui ont activé leur compte. Voilà, parce que vu ce prix qu'on a là ici, 0,4251, ça, je vous dis que les amis, dans 13 heures même, et maintenant dans 13 heures de temps, ce prix sera plus le même. Voilà. Donc, le conseil que je donnerai ici à tous ceux qui ne sont pas encore dans cette opportunité, ou bien à tous ceux qui sont dans cette opportunité, qui ont activé de petits packs et qui veulent ajouter, c'est le moment vraiment de rajouter des pièces SEC.
comme je l'avais dit dans plusieurs de mes vidéos, le CC c'était la pièce maîtresse de cette opportunité. Voilà, c'est la pièce maîtresse. C'est comme notre but pointe à nous sur cette opportunité. À partir de 13 heures de temps, à partir de minuit, les gars, le CC sera très très cher et sera très très rare. Et ceux qui en posséderont seront heureux. Ça, je vous le dis. Parce que à partir de minuit, sachez que ce n'est plus une affaire de petits investisseurs. Ça va grimper. Ceux qui vont vouloir en acquérir à partir de ce moment vont payer gros. Et ceux qui ont déjà vont avoir gros. Donc, voilà. On a dit à tout le monde vraiment de se pencher sur le SCC. Parce que c'est même, je peux dire, c'est l'avenir même de ce business. C'est le token de ce business qui va nous permettre de gagner gros. De gagner beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et nous y sommes. Donc, ceux qui ne sont pas encore inscrits dans cette opportunité, c'est le moment. Voilà. Il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps, les gars. Dans 13 heures de temps, on va passer à un autre niveau. Donc, tous ceux qui veulent entrer dans l'opportunité, avoir ces pièces, je dirais même avoir ces pièces d'or. Parce que le CC, d'ici minuit, ça sera une pièce d'or, les gars. Ça va être cher. Ça va être cher, croyez-moi, ça va être cher. Donc, ceux qui sont pas encore, qui n'ont pas encore activé de pack, il y a 200 et quelques personnes dans ma team. Voilà, 91, à peu près la moitié. Donc, tous les autres qui n'ont pas activé de pack, bon, à eux de voir. Soit ils peuvent faire acheter à 2$ et plus, ou à 0,42,51. Ça dépend que d'eux. Mais le conseil que je donne ici, pour même si c'est 50$, hein, même si c'est 50$ que tu peux activer, active le pack. Parce que ça en vaut la peine. Parce que ces 50$ là, ça peut te donner au moins actuellement 120 et quelques pièces. 120 pièces. Par exemple, 120 pièces que tu vas détenir. Et ces 120 pièces, tu auras aussi des bonus quotidiens de 0,33% qui vous feront le mois 10% dans le mois que vous allez pouvoir retirer et à la valeur du marché. Voilà. Donc, ça sera non seulement vous gagnez deux fois ici, vous allez retirer les bonus une fois que ça atteint la somme de 50$. Le retrait minimum, c'est 50$. Voilà, une fois que ça atteint ce retrait, vous allez pouvoir, ce montant, vous allez pouvoir faire un retrait. Peut-être même qu'avec ce retrait, vous pouvez même déjà faire fois 2, fois 3 votre investissement. Voilà, tout dépendra du prix du marché. Ce qui est important ici aussi, concernant la pièce ECC, c'est lorsqu'il sera listé, beaucoup de personnes pensent que ça sera trop volatile. Alors que ce n'est pas le cas, parce que actuellement 80% des pièces ECC est en staking. Voilà, c'est-à-dire c'est dans nos comptes. Ils sont bloqués dans nos comptes. Donc ça ne sera pas comme le cas de EFI où tout le monde a eu la possibilité de retirer, comment dirais-je, 10%. 10% des pièces qu'ils ont. Donc du coup, on a vu le drame qui s'est passé par rapport au EFI. Ça a chuté la pièce jusqu'à 0,4. Voilà, 0,5 jusqu'à 0,4. Hein. Voilà. Donc c'est normal. C'est normal que ça chute ainsi. Parce que on a une forte communauté derrière. Et quand si tout le monde se met à swapper, à récupérer 10%, c'est normal que ça chute. Mais par rapport à SCC, c'est ça l'avantage du SCC. C'est ce qui va même permettre au SCC d'aller plus haut. Voilà, ça va lui permettre d'aller plus haut. Du coup, excusez-moi, voilà, comme je le disais, hein, l'avantage du SCC ici, c'est que il y a 80% qui sont détenus, qui sont en staking. Donc, du coup, on n'aura que 20% qui seront peut-être disponibles au retrait. Et ces 20%, ce n'est pas tout le monde qui pourront faire le retrait parce qu'il faut un minimum de 50$. Voilà. Donc, avec le minimum de 50$, ce n'est pas tout le monde qui pourront faire ce retrait. Puisque avec certains achats de certains investissements, pour avoir 50$ par jour, il faut vraiment investir au-delà de 5000$.
Voilà, 5 000 $. Et c'est pas beaucoup, il n'y a pas beaucoup qui ont investi ces montants. Donc, ce qui rassure aussi la montée de l'ECC. Maintenant, il y a une autre question sur laquelle on va se pencher. Parce que tous ceux qui vont pouvoir faire des retraites, c'est sans doute des leaders qui ont développé cette activité-là. Voilà, qui ont fait la promotion de l'ETHER Connect. Ces leaders, voilà, comme moi, comme tous les leaders, hein, voilà, on aura peut-être la possibilité de faire des retraites, peut-être pas. Il y a d'autres qui pourront faire par jour, qui pourront faire des retraites par jour, parce qu'il y a des leaders qui ont plus de 200, 300 pièces par jour, hein. Ça, il faut le savoir. Il y a des leaders qui ont peut-être, en une semaine, ils peuvent économiser peut-être 300 pièces ou 500 pièces. Voilà, parce que en fonction des bonus qu'on reçoit quotidiennement et tout ça, donc ça va nous permettre aussi d'accumuler des pièces parce que chaque deux jours peut-être on pourra peut-être faire des retraits, chaque trois jours, chaque jour d'autres pourront faire des retraits, ainsi de suite. Mais c'est là que ça va se jouer, parce que moi je pense que tous ces leaders qui ont développé cette opportunité savent de quoi il s'agit. Même étant connaître le groupe officiel, voilà, la chaîne officielle Telegram l'a même annoncé, elle a même dit que par rapport au retrait, voilà, je pense qu'ici elle s'adresse aux leaders qui ont développé l'activité et aux grands investisseurs, voilà, parce que c'est eux qui sont capables actuellement de faire bouger les choses, de faire monter la pièce ou de la chuter, voilà. Donc, tout dépendra de ces leaders, de ces grands investisseurs, voilà, de leur comportement sur le marché. On ne peut pas contrôler tout le monde, on peut que donner des conseils. Mais par rapport même au channel de, comment dirais-je, Telegram de SEC, ils nous ont même fait savoir que vraiment, ça serait bien de conserver les pièces jusqu'à ce qu'au moins, elles atteignent 200 $. Voilà, jusqu'à ce qu'elles atteignent au moins 200 $. Et ce qui est possible, parce que si tout le monde se met à garder les pièces et à ne pas effectuer des retraits, ça c'est sûr qu'on va atteindre les 200 $. Bon, on sait pas trop, ça, même si ça n'atteint pas les 200 $, au moins on pourra passer peut-être les 100 $, avoir les 150. Voilà, ce qui est très possible, parce que c'est la plus forte communauté, hein, de ce projet. C'est la plus forte communauté derrière qui est de ce projet. Donc je pense qu'on peut faire x100. En une semaine, voire deux semaines maximum, on pourra peut-être faire x100. Donc, c'est pas la peine de se précipiter, de faire comme le FI, comment ils ont fait au FI, ça va pas être comme ça. Voilà. Maintenant, d'autres auront la possibilité aussi d'acheter les FI en dehors à partir de 2 $ sur PancakeSwap. Voilà, ça, ce sont des traders, la plupart sont des traders sur du long, sur du court terme. Voilà, c'est-à-dire, ce sont des gens qui vont venir juste pour se faire des bénéfices. Acheter, quand ça va monter, ils vont être récupérés. Voilà, bon, on peut pas interdire à tout le monde aussi de récupérer, c'est normal, parce que tous les moyens de se faire de l'argent, c'est bon, donc c'est normal. Mais le conseil de base, c'est d'attendre aussi, voilà, de ne pas être trop gourmand, d'attendre que la pièce aussi puisse atteindre une valeur, quoi. Voilà, ce qui nous aiderait tous, voilà, et puis ça aiderait aussi à ceux qui n'ont pas investi gros. Comme ceux qui ont investi les 50 $, 100 $, ainsi de suite, de ne pas, voilà, de pouvoir, lorsqu'ils pourront faire des retraits de leur bonus à la fin du mois, comme ça, ou bien peut-être dans quelques mois, pourront avoir à de bons prix, voilà, sur le marché. Excusez-moi, voilà. Donc, tout dépendra de la mentalité. Et je pense que on nous a déjà formé avec le EFI. Donc, nous savons que le fait de retirer Swapper automatiquement, ça ne va pas nous arranger. Mieux vaut qu'on garde sur la plateforme, sur nos portefeuilles ou que ce soit, le temps que ça prenne vraiment de la valeur, quoi. Voilà, ça c'est un conseil que je donne. Si c'est possible de l'appliquer, et pourquoi pas le faire. Voilà, parce que nous sortons tous gagnants. Hein. Nous sortons tous gagnants. Voilà. Donc, dans 13 heures. Voilà, dans 13 heures à minuit, on sera fixé sur nos sorts. On saura comment ça va se comporter, comment les gens vont se comporter et tout. Donc, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas encore activé de pack et qui n'ont pas encore de pièces ECC, c'est le moment d'en profiter parce qu'il est à 0,42 centimes. Donc, à partir de minuit, c'est fini.
C'est plus la peine d'en acheter directement. Peut-être allez-y swapper en dehors de la plateforme, ça serait peut-être plus avantageux. Là, vous pourrez vous faire des bénéfices sur du court terme. Mais comme les CC le disent, tous les holders vont gagner. Même concernant aussi une petite parenthèse que je voulais souligner. Concernant le EFI, c'est vrai que ça a chuté, mais ça va se relever, ça va se relever. Parce qu'une fois la sortie de leur plateforme, comment dirais-je, le DEX, voilà, le AMM DEX, voilà, quand ça va sortir, c'est parce que le EFI sera le token utilitaire de cette plateforme. Donc, sûrement, on aura tous besoin du EFI. Voilà, tous ceux qui vont venir échanger, tous ceux qui vont venir sur cette plateforme auront besoin du EFI, forcément. Donc, du coup, ça va permettre aussi au EFI de se relever. Et tout cela, ça sera disponible normalement du 15 au 20. Entre le 15 et le 20 de ce mois, ça va beaucoup bouger. Ça va beaucoup bouger au niveau de cette opportunité qui est Interconnect. Voilà, ça va beaucoup bouger, durant cette période-là. Donc le EFI, normalement, moi je pense qu'il pourrait même peut-être atteindre jusqu'à au niveau de 10 dollars, peut-être même, pourquoi pas aller chercher les 15 dollars. C'est possible, hein? Voilà. Donc tous ceux qui ont swappé et qui n'ont pas attendu, voilà, vont le regretter. Parce que comme les conseils que je donnais dans les précédentes vidéos, c'était d'attendre, d'être patient. Voilà, c'était d'être patient parce que dans ce business, on nous a appris la patience au fait, mais il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris cela. On nous a appris d'être patient, de ne pas se précipiter, mais malheureusement, on n'a pas tous la même mentalité, on n'a pas tous les mêmes fonctionnements. Donc, c'est normal que d'autres sautent au premier coup. Voilà, maintenant, bon, moi, de mes filles jusqu'à présent, j'ai rien touché, je laisse. Je ne suis pas pressé pour les EFI. Même d'ici une année, ça peut prendre aussi plus de valeur. Donc, je ne suis pas pressé. Je vais faire du holding à long terme. Parce que le EFI, c'est sur le long terme qu'on va gagner. Même sur le ECC aussi, c'est sur le long terme qu'on va gagner. Voilà. Au fur et à mesure que vous allez voir, on va avancer dans le business. Vous allez voir que les pièces vont se relever et prendre encore plus de valeur. Même le Panda, il nous aussi. Avec la sortie du portefeuille wallet du Panda. Avec les NFT et tout ça, ça va se relever aussi. Voilà, donc actuellement, ce que je conseille sur le EFI et le Panda Inu, c'est que d'aller après peut-être emmagasiner aussi le plus de EFI et le plus de Panda Inu, parce qu'actuellement, vu en dehors de la plateforme, le prix est encore bas. Parce que c'est en chute actuellement. Donc, c'est le moment d'en acheter quoi. Voilà, parce qu'en crypto-monnaie, quand le prix baisse, c'est le bon moment pour acheter et puis de holder. Là-bas, je conseille holder. Voilà, c'est pas venir acheter et puis voilà, ça monte et puis on swap, vous ne gagnez pas beaucoup, mais au fait, vous ralentissez tout le monde quoi, en fait. Voilà, mais laissez que ça prenne de la valeur, on va gagner tous, nous allons tous gagner. Voilà, donc c'est ça, il faut se préparer. L'adresse, on l'aura sur le back office à partir de minuit. Donc préparez-vous à cela. Tout le monde sait comment ajouter un token. Voilà. Donc voilà. Voilà le moment tant attendu. Le moment qu'on a attendu pendant des mois et des mois. Maintenant on voit que vraiment avec cette opportunité, vraiment on peut dire chapeau à cette équipe parce qu'ils ont tenu à leurs promesses jusqu'à présent. Voilà, donc on ne peut que les encourager aussi. On va les encourager. Je remercie aussi mon groupe, la team Interconnect Saphir, voilà. Je les remercie aussi parce que là-bas aussi on échange beaucoup d'idées. Et c'est une bonne team, des vrais guerriers qui sont là-bas quoi. Franchement, je les remercie de passage. Voilà, et je souhaite à tout le monde que tout le monde puisse s'en sortir avec le ECC. Ceux qui ne se sont pas en sortis avec le EFI ou le Panda, que voilà, on puisse s'en sortir avec le ECC. Qu'on puisse gagner beaucoup avec ce ECC là. Voilà. Donc sur ce, je lance encore le message pour ceux qui ne sont pas encore, comment dirais-je, pour ceux qui ne sont pas encore dans l'opportunité, c'est le moment. Ça c'est le dernier virage. Après cela c'est fini. Le ECC sera rare, sera cher. Et seuls les gros investisseurs et les leaders auront la possibilité de faire des retraits, peut-être quotidiennement ou bien mensuellement, avec de grosses sommes. Voilà.
Donc, c'est le moment d'emmagasiner le temps de pièces et de le stacker pour une année en sortie gagnant, quoi. Voilà. Si vous avez déjà activé et que vous pouvez ajouter encore, vous êtes libre d'en rajouter. Hein, parce que actuellement, on peut plus, comme on le dit, hein, le SCC, avoir le SCC vraiment, ça va vous rassurer, ça va vous aider dans l'avenir, quoi. Ça va vous aider beaucoup, ça va beaucoup vous aider. Donc, peu importe, essayez d'avoir le plus. Essayez d'avoir le plus. C'est le message qu'on faisait passer dès le début de cette opportunité. Essayez d'avoir le plus de SCC. Essayez d'avoir le plus de SCC. Aujourd'hui, nous sommes là et nous savons que vraiment ce message était très important. D'autres ont suivi ce message, d'autres n'ont pas suivi ce message. Mais bon, chacun est libre d'investir comme il veut. Chacun est libre. Vous savez, comme nous, les Africains, la plupart, ils s'arrêtent, ils observent. D'abord pour dire voilà, on va voir si ça passe, si ça arrive à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire, ainsi de suite, avant d'investir. Maintenant, quand ils arrivent que voilà, quand ils voient que voilà la chose est en train d'avancer vraiment, c'est maintenant qu'ils se jettent à l'opportunité. Heureusement qu'il n'est pas encore trop tard sur le SCC, il n'est pas encore trop tard parce qu'on a jusqu'à 13 heures de temps pour acquérir les pièces à ce prix-là. Heureusement qu'il n'est pas encore trop tard. Voilà. Donc pour ceux qui ne sont pas encore dedans, qui sont dedans, qui n'ont pas activé, c'est le moment. Hein. Voilà, c'est le moment. C'était tout pour cette vidéo. Donc, tenez-vous prêts. À partir de minuit, voilà, connectez-vous sur vos back-office. Récupérez l'adresse. Allez-y, l'ajouter sur votre portefeuille et tout. Voilà, si vous pouvez. Si ceux qui vont acheter, achètent en dehors de la plateforme, attendre que le cours augmente, pour swapper, bien sûr. Parce que c'est ça que beaucoup de personnes vont faire. Ainsi de suite. Ceux qui vont holder, vont holder. Voilà, donc avec SCC, on est focus et on est là, quoi. On souhaite le meilleur à tout le monde. Je souhaite le meilleur à tout le monde. Que tout le monde puisse réussir, tout le monde puisse avoir des millions et des milliards d'ici les jours à venir avec cette opportunité, cette magnifique opportunité qui ne nous cessera pas de nous faire rêver. Vraiment, je vous dis merci. Je dis merci à toute la team Safi Interconnect. Je laisserai le lien d'inscription de la plateforme pour ceux qui veulent s'inscrire. Je mettrai ça en description, ainsi que le lien du groupe pour ceux qui veulent intégrer le groupe, la team Safi Interconnect. Donc sur ce, je vous dis bonne journée, bon succès à tous. Ici le leader depuis le Sénégal. Ciao ciao.